Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armstrong. Donc on joue ensemble à Borderlands 3, c'est la 11e vidéo. Et on continue notre aventure, donc on doit contacter Rhys et parler à Lorelai. Donc juste avant on avait fait une petite mission dans la vidéo précédente, une petite mission secondaire. Donc on a gagné une nouvelle arme légendaire, qui est super top, et on a gagné un nouveau niveau. Donc on continue notre build qui consiste à réduire la santé, augmenter le bouclier et après augmenter la puissance de feu. Si on reprend cette intersection un peu plus loin, on pourrait y installer des barrages et comme ça garder le contrôle de toute cette zone. Donc on va parler. Si on reprend cette intersection un peu plus loin. Voilà. D'accord. C'était quoi ça? Je sais pas ce qui se passe. Paliwan, très bien. Donc je profite de ce début de partie pour passer un petit coucou à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Pour les nouveaux venus sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Activez la cloche de notification. Lâchez un petit pouce, un petit commentaire, je réponds à chaque fois. Sauf si les commentaires n'apparaissent pas, ça peut arriver. Donc je vous souhaite une très bonne vidéo, portez-vous bien, et à très bientôt. Allez, on va tuer Maliwan, hop là, on va utiliser notre nouvelle arme. Voilà, donc l'arme, elle se... En fait, faut mieux tirer de loin. C'est un désastre. Voilà, salut. C'est excellent. Voilà. Non, mais j'ai trouvé une arme là. Un bijou. S'ils croient qu'ils peuvent nous avoir maintenant qu'ils ont l'aide des bandits, ils vont être sacrément déçus. Allez, viens. Là, on est bien. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, les amis, on est très bien. Donc ce jeu, je vous le conseille vivement, il est vraiment... il est top. Il est rigolo, il est bien fait, il est complet, il est... il donne envie de continuer. Parce que des fois, il y a des jeux vastes comme ça, mais qui... Tu sais pas pourquoi il y a des petits trucs qui fait que t'en as vite marre, mais là, non. Là, c'est pas le cas du tout. Allez, on récupère. C'est des choses, on ne sait jamais des fois. Moi, je vous conseille de tout ouvrir, parce que des fois, il y a une petite légendaire planquée quelque part. Allez, on y va. On est parti. Voilà. Le client a toujours raison, du con. Allez, on se dirige vers la base Limon, c'est par ici. Maliwan s'y est bien retranché, alors ça risque de chauffer. Je sais pas s'il y a pas un truc... Bon. Pas un truc de siphon le néon à écouter là. Non. Bah non. Tant pis pour moi. Ok, bon bah on continue. Allez. Donc là on va dans une nouvelle partie du jeu. Allez, je suis. Hein. On va au métro complexe de Méridien. Je sais pas s'il n'y a pas un petit boss là-bas. Qui peut farmer une arme légendaire également. D'ailleurs, il faudra qu'on retourne dès qu'on peut sur Pandore. Donc, je le ferai peut-être hors vidéo pour essayer de farmer des légendaires sur les deux animaux que je vous avais vu, je vous ai montré au début. Donc, l'espèce de chauve-souris et le sale gosse, la reine des sales gosses, là, qui se multiplie, qui se démultiplie en 4. Donc, voilà. On verra par la suite. Mais là, c'est cool, le jeu, le personnage commence à prendre forme, on est fort, on défouraille, on explose tout le monde. Et on est simplement au début du jeu. Donc, qu'est-ce que ça va être plus tard? Ça va être intéressant. Et on peut prendre... Là, on n'a pas le souci des munitions, on peut prendre beaucoup de munitions. On peut ramasser beaucoup plus de matériel, j'en ramasse pas beaucoup, du coup, mais... on peut en ramasser plus. Prépare-toi. C'est pas des bandits, ces types. L'armée de Maliwan est super étrange. Mais on va les frapper fort et ça va bien faire mal. Moi, je regarde toujours voir s'il n'y a pas. Ici, le docteur Zell.
Et des bouts de cervelle si jamais vous en voulez. Non. Rigueur, le mode là. Ça, c'est ce que je préfère. Enfin, pour encore non. Au moins 5 minutes. J'ai les meilleurs plans de la ville. Si ta gâchette fait clic. Générateur. Se propulse dans les airs et tire 3 grenades au sol. Génère le bouclier à hauteur de 60% de dégâts chez le bouclier ennemi. Oh, je sais pas. Je vais la prendre quand même au cas où. On ne sait jamais. Mais pour l'instant, je garde celle que j'ai. Ok. Eh ben. C'est tous les gars. C'est long. Les voilà. Ah mais je leur fais mal, mais c'est un truc de malade. Tu seras mieux dans ta prochaine vie. Ah, puis là on peut trouver des munitions, je crois, dans les carcasses de robots, j'ai oublié. Ils envoient des renforts. Mais c'est pas grave. Vous avez vu combien j'en ai buté? Yeah. Ah, j'ai loupé lui. Il est où? T'enfuis pas. Bah. En fait, c'est tellement puissant que ça fait du dégât, mais c'est dommage. Le seul bémol de cette arme là, c'est le. Oh! Voilà. Ah non, j'ai loupé! Mais toi là, il faut être à distance et bien plus puissante à distance. Voilà. Non mais c'est bon. Voilà. Oh, il a pas aimé ça. Voilà. Ah, j'ai loupé. Voilà. Une fois que le bouclier est détruit, quand même la chair brûle bien. Enfin, on dirait que le mec il est spécialiste en chair brûlée. Mais je veux dire, voilà, c'est. Faut utiliser les éléments. C'est quand même. Moi je sais que j'aime bien les armes élémentaires dans ce jeu. Elles sont super bien faites. Alors. On avance ici. Ok. On recharge nos armes. Tu sais, c'est pas facile de passer de barista à combattante de la guérilla. J'imagine. Ok. C'est quoi ça, ils sortent d'où, eux? Fais gaffe!
Voilà, allez. Voilà. Allez crever, gros tas de merde. C'était génial, chasseur de l'arche. Merci. Oh, ça fait mal. C'est parti. On va rouvrir la ligne vers le QG d'Atlas. Je redémarre la connexion. Allez. Ouh. Ok. La connexion au QG d'Atlas est toujours intacte. C'est quand tu veux, chasseur de l'arche. On va déjà voir s'il y a rien à... Allez, super, acheter. On n'a jamais assez de santé. 429. Achetez-en dès aujourd'hui. Absorption, projeter, amplificateur. Plus 15% de chance d'absorber les balles. Vous projetez votre bouclier en avant lorsque vous accomplissez ce qui vous confère plus 1% de réduction de dégâts. En cas de dégâts, de chance générée, un amplificateur pour 8% de bouclier. Stéroïde se propulse dans les airs et tire 3 grenades au sol. Oh. Si je peux aider. J'essaierai bien le nouveau bouclier là. Allez, on augmente le bouclier. PDG et général de guerre de la société Atlas. J'aurais juste une question. À qui je parle et comment avez-vous eu ce numéro? Rhys, du calme, c'est Lorelai. On a repris la base Limon avec un peu d'edge. Une petite seconde, c'est quoi cette chose sur ta tronche là? Oh, ça, c'est ma moustache de guerre. Les troupes adorent. Mais dis-moi, c'est qui ça avec toi? Je suis chasseur de l'Arche, et en mission pour les pillards écarlates. Chasseur de l'Arche? Pillards? Oh merde, oui! T'as amené combien d'hommes? 20 000? 50 000? Y'a moi, et mon méca. Ça suffira. Hein? Quoi? Oh allez, je vais pas reprendre la ville si j'ai pas une armée! Fais-lui confiance, Rhys. Tu peux. Et on a besoin de toute l'aide possible. Des bandits ont débarqué en ville, et ils collaborent avec Maliwan. On dirait que Katagawa a passé un accord avec les Calypso. Super! Tout le monde se ligue contre nous. Eh ben la recrue, on peut dire que tu tombes à pic. Mon meilleur agent se prépare à attaquer le cerveau cosmique de Maliwan. S'il cherche vraiment l'arche, c'est là qu'on trouvera les infos. Va rejoindre mon gars. Terminé. Okay, cerveau cosmique, voilà, c'est ça, c'est un boss. Je vais remettre cette base en état et commencer à nettoyer la ville. Avant que tu y ailles, j'ai un petit truc pour toi. Ah. Puisque tu pars en ville, je vais te filer un truc à nous. Un cyclone. C'est rapide et léger, idéal pour arpenter les rues. T'auras qu'à l'essayer. Bah nickel. T'as du temps pour m'aider? Ça te dirait qu'on ramène la civilisation dans cette ville ruinée par la guerre? On n'a qu'à commencer par la denrée la plus précieuse de toutes, le café. Je suis complètement claqué. Et quand un commandant fait des erreurs, c'est les troupes qui payent. Et je crois que mes gars cracheraient pas non plus sur une tasse. Va au café Rise and Grind, qu'on se mette au boulot. Ok. Très bien. On va faire apparaître. Alors, je préfère un véhicule comme ça. Tu fraîcheur, t'as filé un nouveau véhicule? Je vais charger ça dans ton profil autoloc. Comme ça, tu pourras t'en numérialiser un modèle à tous les terminaux. L'agent de Rhys est plutôt solitaire, mais il a un don pour prendre les entrailles des gens et leur en faire des colliers. Je suis sûr que vous allez vous entendre. Je sais plus où faut aller. Je vais faire la quête du café, là. Allez. Allez, Rise machin, là.
Super, j'en avais besoin. Oula, ça sent pas bon ça. Je sais pas si je jouais les bonnes cartes là. Ah oui, il y a des missions là, mais on va pas tout mélanger. Ok. Voilà. On est quand même assez puissant. On fait péter les véhicules comme ça là. Ok. Petite mission secondaire. Ouais. Le Ryzen Grind est désert, mais il doit bien rester un robot barista. Ils sont, disons, passablement relous, mais le café en vaut la peine. C'est bon. Oh, salut, que puis-je faire pour, vous aider? Je sais pas. Il est stone, lui. Je voudrais un Arcturien super noir, monsieur le robot. Pas possible. Le cœur énergétique a pété et je peux pas faire de café sans électricité. Évidemment! Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, il y a un gros costaud de Maliwan tout près qui se fait appeler Protecteur. Donc clairement un connard. Il a un cœur énergétique intégré dans sa combi. Ça devrait nous permettre de repartir. Pourquoi faut toujours que tout marche avec un cœur énergétique? Ok. C'est marrant. Allez. À l'époque, j'étais du genre à dire, je sens que ça va bastonner un peu. La parole avant que j'ai bu mon café. Et là, ça risque vraiment d'arriver. Enfin, je sais pas, mais je trouve ça marrant, moi. Il sort d'où, lui? T'as de l'argent qui traîne. Super fan. Alors, qu'est-ce que tu penses de nos premiers sponsors? Choisir jusque là, j'adore vendre mon cul. On a donné à Maliwan une quantité infinie de viande hurlante, ce qu'on appelle nos fidèles. Et eux nous ont filé tout un tas d'armes high-tech. Une fois qu'ils auront pris la planète, ils auront Atlas, et nous, on aura l'Arche. Alors toi, t'auras plus qu'à jouer avec ça, on verra après. Ce que t'as dans le pantalon, en fait. Éclate-toi bien. Qui le revolte, on verra après. On va déjà faire cette mission-là. Tu lui as bien réglé son compte. C'était vraiment un bon gros branlis. Ah oui, c'est vrai, quand on se baisse. Éclaté. J'ai oublié ça. Pas cool ça. Le cœur énergétique, prends-le. Bah.
Ah, il fait mal quand même, hein, cette petite arme légendaire là, elle pique. Vas-y, chope le cœur énergétique. Oui, oui, bah, j'ai compris. Je récupère ce qu'il y a récupéré. En plus, je gagne des petits trophées là. C'est bon, là, il y a de l'argent peut-être. Voilà, c'est pas négligeable. Et voilà. Voilà. Maintenant, retourne au Rise and Grind et grouille-toi de me commander un café. Écoute, je regrette, mais je suis la seule à pouvoir protéger ces civils contre les hordes de Maliwan. Ce café va sauver des vies, en commençant par la mienne. Pour moi. Voilà, on récupère du pognon. Je sais pas s'il y a pas quelque chose à faire. Si jamais. Bah non. Ok, donc on retourne au café. Bon, on est à deux doigts de rendre l'âme tout à l'heure. Hein. Voilà, on donne. Oh, trop bien, bon voilà, je vois que la clientèle se file vite. Cool, super cool. Maintenant, sonnez, ça devrait rebooter le magasin à Skip. Et ma beauté fatale. Skip. Excellent. Voilà. Ben genre, je crois. Et voilà, le courant est revenu. On peut l'avoir ce qu'a fait maintenant le robot? Ah bah non, désolé, je peux pas. On est une enseigne écolo, vous voyez. Du coup, vous devez apporter vos propres gobelets. Bordel à cul. Oh, je sais. Il y a un commandant de Maliwan qui se promène jamais sans son gobelet de voyage. Essaie de le retrouver, tu veux? Ok. Entre nous, le putain de jus de chaussette marronasse de Maliwan, c'est pas du café. C'est un crime de guerre en soi. Je veux juste le gobelet du commandant. D'accord. Les missions sont quand même un peu, on va dire, à la ramasse. Deux, trois sous-fifres. Ça fera sortir le commandant. C'est rigolo et ça fait gagner l'XP, donc... Ça fait des petites scènes de farm, on va dire... Scénarisé. Ça fait plaisir. C'est bien, c'est que s'il y a plusieurs... ça touche vraiment tout le monde. Normalement. Voilà. Oh. Mais non. Là, c'est vraiment du carnage que je fais. Tu devrais pas faire ça. Y'a qui du vivant encore? Wow. C'est tout? Mais t'as aussi piqué mon gobelet, et ça, tu vas me le rendre. Parce que le commandant de café, c'est Bibi.
En gros, le personnel, c'est pas grave, mais il a piqué un gobelet. On approche du but. Je peux déjà sentir le parfum de mon. Je le prends, je le revendrai. Vas-y, je suis pas trop snipe. Ça se trouve, il y en a des très belles snipers, mais je suis pas très. Pas très fusil sniper dans ce jeu-là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il peut rejoindre, je crois. Ah, siphon de Léon. Oh oh. J'ai donné l'ordre à mes troupes de le reprendre, coûte que coûte. Hors de question qu'il reste. C'est quoi ce délire? Allez, sont. Maliwan s'en prend la boutique. Bordel, mais tu peux pas me lâcher deux secondes, Maliwan. Même pas pour une putain de tasse de café. Ah, c'est excellent ça, j'avais oublié. Voilà, il faut que je reste accroupi. Ouais, non. Elle est terrible cette arme, sans déconner. Robot barista, ferme-la et va nous faire du café. Oh, c'est bon, pas la peine de péter une durite ou je sais pas quoi. Passez-moi votre gobelet réutilisable, que je le remplisse. Cool, c'est du circuit court, de la bonne cam, une minute. Pourquoi ça met autant de temps? Ouais, on peut pas brusquer la perfection. Laisse le robot faire son travail. Ça vaut tellement le coup. Et voilà pour vous. Passez une bonne journée. Ou pas, comme vous le voulez. Je m'en bats les steaks. Oh oui. Ok. Oui. Enfin. Apporte-moi ce café. Lorlai, je te comprends à mort. Franchement. J'ai laissé mon véhicule ici. Un peu. Bah, chacun son vice. Je vais revendre en même temps. Du coup, ce que j'ai en trop. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là, je fais n'importe quoi. Mais si, ça revient au même. J'ai fait le tour tout simplement. Hop là. Préféré. Ah, c'était d'une absolue nécessité. Hé hey, les gars, le Rise and Grind a ouvert. Je vous paie la tournée de café. Ah ouais, super. Vraiment? Merci Lorlai. Rends-moi ce gobelet, Archer. Je oh, refuse oh. De l'abandonner. Oups. Oh bordel, Maliwan débarque. Allez, on va leur montrer les bienfaits de la caféine sur notre morale. Bon ben voilà.
Bon. Ah bah elle est bonne celle-là. Ah bah là j'ai pas compris. J'ai pas compris d'où ça venait en fait. C'est ça le truc. Allez, bouge pas, tout va bien. Bah toi viens. J'ai même pas vu qui c'est qu'il a été. Bien joué, chasseur de l'arche. Passe récupérer ta récompense bien méritée. Rends-nous fiers. Vous les aurez. On te remerciera jamais assez, chasseur de l'arche. Je sais que ça peut paraître dérisoire, mais... juste une petite gorgée de notre monde perdu. Ça nous aide à avancer, tu vois? Je vois. Au moins jusqu'à demain matin. Oh, y'a rien qui m'intéresse. Est-ce qu'ils ont mis quelque chose de sympa? On ne sait jamais. Bienvenue au Mont des Médocs du Dr. Z. Non. Cette intersection un peu plus loin, on va y installer des barrages et comme ça garder le contrôle de toute cette zone. Vous vous souvenez quand personne n'était complètement fou dans les six galaxies? Ouais, moi non plus. Si on reprend cette intersection un peu plus loin, on pourrait y installer des barrages, et comme ça, garder le contrôle de toute cette zone. Ouais, on garde ça. Tu peux me rendre un service? Maintenant qu'on a du café, faut aussi qu'on trouve à manger. Maliwan a récemment pris le contrôle du Dynasty Diner, qui jusque-là s'occupait de filer à bouffer à tous nos gars. Va parler à Bo, son propriétaire, et aide-le à reprendre son resto. Ok. J'espère que ça sortira pas à travers. Oh les coups. Ok, ok, donc on va s'arrêter là, on ira faire la petite mission trouver Bo après pour faire des burgers. Donc voilà, donc je vous dis à très vite les amis dans une prochaine vidéo. Bye bye.